La même journée, la sous-préfecture, la sous-direction régionale, pardon, d'Obok, en partenariat avec celle de Tadjoura, a organisé à Obok les sports de plage, notamment le beach volley, le beach hand ainsi que la planche à voile. Ce sont donc les jeunes Obokois et Tadjouriens qui étaient en compétition devant une foule nombreuse venue découvrir par la même occasion ces disciplines phares de la plage. Les parties ont été serrées jusqu'au bout sur le sable, fin aboutissant sur une nette domination des équipes de Tadjoura. Le coup d'envoi a été donné tour à tour par les officiels, notamment le secrétaire d'État au sport, le préfet adjoint, le président du conseil régional et la secrétaire générale du secrétariat d'État au sport. Et après les compétitions, les joueurs ont été récompensés lors de la cérémonie de remise des trophées tenus devant la préfecture de la région. Pour rappel, le beach handball est un sport collectif dérivé du handball en salle, mais qui se pratique sur le sable. Le beach handball oppose deux équipes de quatre joueurs qui doivent lancer un ballon en plastique dans le but de leur adversaire. Comme au handball, le nombre de pas à balle donc en main est limité à 3.